Dodi, les animaux sont malades. Tu es un petit canard. Oui, j'ai un super numéro pour le concours de talent de demain. Je vais faire cette recette sans sucre pour le spectacle de demain. C'est Takuni qui me l'a apprise. C'est bon, à cutie. Hop, ha! Super pirouette ouragan! Hop, ha! La 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 la! Waouh, bravo! Merci, merci. Nous avons fait de gros progrès. Mais la scène n'a pas du tout changé. C'est vrai. Ça manque un peu de ballon, je dirais. Je sais! Je m'occupe de la décoration. Je vais mettre des guirlandes et des ballons. Mais Dodi, toi toute seule, c'est beaucoup de travail. Oui, et ça prend du temps. Tu ne veux pas t'entraîner plus tôt? Oh, aucun souci. J'ai le temps de tout faire. Très bien, j'ai tout ce qu'il me faut. D'abord, on va décorer la scène. Et puis, on finira de préparer ma mallette pour le concours. Salut Dodi. Rime est malade. Tu peux t'occuper de lui, s'il te plaît? Bien sûr. Tchouti a mal au ventre. Tu peux la soigner? Elle a trop mangé. Bien sûr. Hein? Fait à mal à la patte. Missou n'entend plus rien et elle a des vertiges. Elisa se prend toujours pour un canard. D'accord, prendre soin des animaux, décorer la scène et préparer l'émission. Du gâteau. Oh, oh, ah. Il me semble qu'ils vont mieux. Certes, ils vont mieux, mais ils ont encore besoin d'attention. Et je dois encore décorer la scène et préparer ma mallette pour mon numéro. J'ai une idée. Les jumpies! Les jumpies! Vous pourriez vous occuper des animaux? Vous en faites pas, ce sera très facile. Tout est écrit sur la liste. L'injection de rime, un bonbon pour la gorge irritée de Lisa, Justin. Changer le bandage de fer, un massage du ventre pour Cutie, et Missou a besoin de dormir. Merci! Allez, viens, Spot! C'est à moi! Non, c'est à moi! Non, à moi! C'est à moi! Là! Je crois que je sais ce que Dodi a demandé. Et voilà! Des bandages pour rime est fait, plein de bonbons pour la gorge irritée de Cutie, et Missou s'est déjà endormi. Dodi avait raison, c'était trop facile. Tu es la dernière, Lisa. Viens ici, je dois te faire ta piqûre. Sa mallette de vétérinaire. Ah, oh. Personne ne le saura si on la répare. Ça ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Et nos animaux? Ils vont bien. Les Jumpies s'occupent d'eux. Hein? Les Jumpies? Vite, tout le monde chez Dodi. Oh, je n'arriverai jamais à finir cette scène. Hein? Mais que s'est-il passé? Mais, et les Jumpies? Où est ma mallette? Des empreintes? Ils ont pris ma mallette. J'aurais dû rester ici pour m'occuper des animaux. Les amis comptent plus que le concours de talent. Désolée les bébés. Ce n'est rien, Dodi. Et puis, tu n'as pas besoin de mallette. Tu es la meilleure vétérinaire. Excellent. Détends-toi. Ça, c'est pour toi. Waouh, quel talent. Elle est toujours prête à nous aider. Oui. Les bébés. Les animaux sont guéris. Les bébés. Surprise. Oh, waouh. C'est comme je l'avais imaginé. C'est une surprise pour te remercier de nous avoir tant aidés. Et pour avoir pris soin de nos amis. Mais tu n'es pas obligée de tout faire toute seule, tu sais. On est des amis. Merci beaucoup. Dodi, tiens ta mallette. On l'a réparée. On est désolés. On voulait seulement t'aider. Ce n'est rien. Vous êtes super. Merci, oh! Une tablette à rayon X. Avec ça, ma mallette est prête pour le concours de talent. Ha.